Bonjour à tous, c'est Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia, The Strongest Hero. Et comme tous les mardis, on va voir ce que la mise à jour nous a apporté. Voilà, tout simplement. Bon, déjà, on peut voir que, en fait, c'est très. Il n'y a pas grand-chose en fait, hein, il n'y a que 5 trucs. Et on peut voir que principalement, c'est que des corrections de bugs. Donc, on va pas avoir grand chose encore cette semaine, mais il y a un truc intéressant. Donc, c'est le premier truc, le premier point. On va recevoir 50 Hero Coins par jour. En tout cas, les joueurs actifs vont recevoir 50 Hero Coins par jour dans la boîte aux lettres, quoi. Alors, c'est bien. Franchement, ça, c'est très très bien de recevoir 50 Hero Coins par jour. Maintenant, j'ai l'impression que, en fait, ce qu'ils disent en faisant ça, hein, c'est tenez. Vous voulez des Hero Coins par jour? Pas de souci, on vous en donne 50 par jour. Mais en contrepartie, on n'aura pas d'event en fait. Voilà, on n'aura pas d'event où on pourra gagner des Hero Coins ou des trucs comme ça. Je trouve ça extrêmement dommage. Sincèrement, ils auraient pu faire un effort, nous faire des events où on gagne aussi des Hero Coins par jour. Mais non, là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste. Vous voulez des Hero Coins? Donc, voici des Hero Coins par jour. Ce qui est très très bien, comme je le répète. Hein. Mais en contrepartie, on n'aura pas d'event en fait. Ça sera toujours vide. Et seuls les joueurs actifs recevront ces 50 Hero Coins. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par joueur actif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les gens qui se connectent au moins une fois par jour et les recevront? Je ne sais pas du tout. Donc, on verra. Mais voilà. En fait, ça, j'ai été content. Mais en même temps, voilà, il y avait un message derrière, j'ai l'impression, disant que non, il n'y aura pas d'event derrière, quoi. Donc, le jeu restera vide. Voilà, tout simplement. En tout cas, en contenu PVE. Event quoi, tout simplement. Ensuite, deuxième point, ils ont réglé un problème apparemment. Certains joueurs recevaient des messages d'erreur dans quand, enfin, j'ai pas trop compris, mais apparemment quand ils faisaient certains stages avec, enfin, en cross-server, certains recevaient des messages d'erreur. Alors j'ai pas compris où ça arrivait à ce moment-là, mais bon, apparemment voilà, ils ont corrigé ça. Donc si vous avez eu ces messages d'erreur, vous savez, voilà, tout simplement. Ensuite, ils ont corrigé un. Enfin, ils ont modifié plutôt un truc pour les permis level 50 et 60. Avant, on pouvait sélectionner que le floor 1 à 18 pour ce level-là. Maintenant, on pourra choisir de 1 à 21. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, on pourra demander, enfin, en tout cas, voir jusqu'au floor 21. Donc, bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, une autre correction de bug, hein, dans la Warzone, cette fois, apparemment, ils ont corrigé les lignes. C'est-à-dire qu'avant, apparemment, back, c'était front, et front, c'était back. Maintenant, ils ont remis bien front, front et back, back, d'après ce que je comprends. Donc voilà, ils ont corrigé ce bug-là. Et ensuite, ils ont aussi corrigé un bug lié, comment ça s'appelle? À la formation des équipes, apparemment, des fois, les joueurs d'autres serveurs ne s'affichaient pas. Voilà, tout simplement. C'est qu'on pouvait jouer qu'avec des joueurs de notre serveur. Voilà. Ils ont corrigé ce bug-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ils ont corrigé 4 bugs. Et, enfin, 3 bugs, une amélioration. Et ils nous ont donné 50 Hero Coins par jour. Voilà, c'est tout. C'est tout qu'elle a cette mise à jour. C'est vraiment décevant, je trouve, parce que moi j'attendais quand même qu'il nous apporte un petit event, enfin quelque chose quoi, qu'il fasse vraiment, mais non, voilà, on n'a rien. En tout cas, là c'est pas annoncé, on verra ça dans le jeu, mais là c'est pas annoncé. On a 250 Hero Coins. Bon, ça c'est le truc normal hein, maintenant, 250 Hero Coins pour la maintenance, tout ça, tout ça. Bon, voilà, donc on va voir dans le jeu, parce que évidemment, hein, je viens juste de lancer le jeu maintenant, parce qu'il y a eu la mise à jour, tout ça. Donc c'est pour ça que je sais pas encore ce qu'il y a dans le jeu, donc on va le découvrir. Bon, finalement, il n'y a rien de plus, hein, j'ai checké avant. Bon, moi je vous ai pas montré quand j'ai checké, mais bon, voilà. Il n'y a rien de plus, donc triste. Triste, je m'attendais à ce qu'il rajoute quelque chose, mais non. Bien entendu, demain, on a le portail de Fumikage. Donc c'est-à-dire que actuellement, voilà. Actuellement, on a le portail de Momoyayorozu. Demain, il y aura le portail de Fumikage. Alors comme d'habitude, moi je vous conseille pas d'invoquer sur ces portails-là. Hein. Sincèrement, vu que Fumikage il est sur ce portail, enfin, je préconise plutôt d'invoquer sur ce portail-là. Parce que bon, voilà, ceux-là, comme c'est les tickets, comme ceux-là, il vaut mieux invoquer sur les spéciales. Après, faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, je sais que je l'ai dit beaucoup de fois, mais voilà, je préfère rappeler, on sait jamais, s'il y a des nouveaux joueurs. Donc voilà, bon, maintenant,
dans notre comment ça s'appelle? On a reçu, on va dire, voilà, j'arrive plus à trouver, dans notre boîte aux lettres, voilà, on a bien reçu les compensations donc de la maintenance et les compensations donc enfin le bonus de connexion chaque jour de 50 HeroCoin, voilà, pour les joueurs actifs. Donc voilà, on a les 50 HeroCoin, donc comme j'ai dit, hein, ça fait plaisir, mais j'aurais préféré aussi avoir des events, voilà, tout simplement. Donc bon, bah, pour terminer cette petite mise à jour, enfin, cette petite vidéo de qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette mise à jour, bon, on va faire une petite single, voilà, donc je sais pas quoi faire, hein. On va faire Momo, parce que j'ai envie d'avoir Momo. On peut espérer un S sur une single gratuite, s'il te plaît? Non, on n'y croit pas, mais voilà, c'est pas grave. Donc, ben voilà. Voilà pour cette vidéo avec maintenance qui me déçoit quand même pas mal. Hein, parce que. Ouais, j'en aurais attendu un peu plus. Un peu plus pour cette mise à jour. Franchement, ça aurait fait plaisir. Petit event, comme on avait au début du jeu. Franchement, c'est un manque. Je trouve que ça manque énormément. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous pensez de cette mise à jour. Hein, si vous êtes content des 50 HeroCoin et que ça vous suffit, est-ce que voilà, est-ce que vous attendez plus? Tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc bah, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci, ciao.